I remember like it was yesterday. The panic, the hysteria, and then the acceptance. Acceptance that Earth was going to be destroyed, and our only grim consolation was that there was nothing we could do to stop it. The neutron star collided, and millions of years of our history got wiped out in an instant. That's why they developed the Rebirth Project. Everyone on Earth fighting for survival, and a lottery among the fittest to see who gets to live thousands of light years away. I won, and that's why I'm here on this Ark ship. Frozen for the entirety of the trip, and now I'm ready to embark on my journey. Our journey. Allez, on va se la faire en accéléré un petit peu, les amis, pour éviter à ce que vous ayez des vidéos qui fassent 30 minutes, qui fassent une heure, je veux dire, ou 50 minutes, ou une heure et demie. Voilà, c'est toujours un petit peu désagréable de regarder des vidéos trop longues aussi, ça, je le comprends. Donc, voilà, on va se le refaire un petit peu en... on va dire en mode accéléré aussi au niveau des bases de la construction. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai compris. Alors les amis, donc c'est ça qui va nous permettre de construire, c'est le Corès. Et dans l'idée, voilà, je peux le déplacer à gauche et à droite, ok. Et moi ce que je voudrais, c'est le monter, parce que je sais qu'on peut le monter. Voilà. Moi, je sais qu'on peut le monter. Tac, tac et tac. Et monter des stands. Tac. Là, je l'ai monté, je crois, non? Il est où? Ah, là, je l'ai descendu. Et là, je le monte. Alors, vous pouvez voler. Logiquement, on peut voler que quand on l'a placé. Alors l'idée, ce serait vraiment de le poser à la limite du sol, de façon à gagner de la hauteur. Vous voyez, là je peux pas, et là je peux le poser. Là. Voilà, donc on met base Generix. Non. Je ne rix, on va trop vite le mettre. Hein. Voilà. On déploie. Ok. Voilà. Donc là, on a notre corps qui est installé là. Ça, on va le farmer. Ça, je peux plus le farmer, ça. Ok. Et là, on est donc en mode construction et on peut se déplacer autour de notre périmètre, on va dire, de construction. Alors, comment on descend ? Voilà. Ok. Donc là, on va avoir certaines choses, comme par exemple, une fois que vous avez fini votre base, ce corps va servir à créer un plan. En fait, le corps, ça va être ni plus ni moins le cerveau de votre base
Voilà, ça, je rate pas de comparer Empyrion, mais ça marche exactement pareil. Le cerveau de votre base, vous allez pouvoir donc la partager et donner certaines autorisations avec certains joueurs. Par exemple, vous allez pouvoir donner des autorisations à des amis à vous pour qu'ils puissent rentrer, mais pas d'autres dans votre base. Ok, ça, voilà, c'est à qui on a compris cet élément, comment il fonctionne. Alors maintenant, nous, ce qu'on veut faire. Alors en fait, voilà, tout part du corps. Voilà, il faut qu'on parte du corps. Voilà. Là. Et là. Alors, on devrait pouvoir faire. Non, c'est pas ça. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Là. Et là, je peux le faire descendre. Là. Jusqu'ici. Là, il va me le construire. Ok. De là, on va pouvoir se reloguer ici. Voilà. Un genre comme ça. Hop, et on tire droit. Là. Là, on repart ici. Là, donc ici, voilà, vous allez pouvoir, hop, changer vos items. Voilà. Ah là, non, on va pas poser d'objet. Alors, donc là, ben, sur le raccourci 2, vous allez poser vos objets. Voilà. Par exemple, comme ça. Tic. On va faire une petite bande. Vous pouvez tirer des colonnes droites si vous voulez. Hop. Vous pouvez repartir comme vous voulez. Vous pouvez tirer des lignes droites. Si vous voulez aussi. Hop. Voilà, ça peut louper. Mais hop, hop. Et vous pouvez repartir sur la hauteur si vous en avez envie. Là, hop, on lâche et on repart l'endroit où on veut. On lâche et on repart par là-bas si on veut. Voilà. Bon, en gros, voilà un petit peu comment ça marche au niveau de la construction. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que si. Alors, non, on va pas rester la construction. Par contre, on va faire ça. Parce que ça va y rester. Je me connais. Tac, ça. Pardon. Tac. Et je supprime. Voilà. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, voilà, pour modifier votre construction, il faut que vous fassiez, donc, clic droit et modifier la construction. Là, en ce moment-là, vous pouvez voler tout autour, comme je vous l'avais déjà expliqué, et vous allez pouvoir faire d'autres constructions. Quoi, vous agrandir et améliorer un petit peu votre base. Voilà. Donc, nous, je vous fais un petit récap de ce que j'ai fait, ce qu'elle m'a dit, un petit peu l'IA. Donc là, j'ai mis mon point de res, et voilà, si je crève maintenant, je vais res directement ici. Sachez que si vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez dans l'inventaire. Ça, c'est pas cool. Bon, heureusement qu'on mange pas et qu'on boit pas. Bon. Peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, ça peut implanter. Alors, nous, on sait faire. On sait faire, la fabrication, on le verra plus tard. J'ai eu un petit peu. Alors, on sait faire améliorer notre personnage avec les talents. Voilà, ça, il faut pas oublier de le faire. Donc, à chaque fois que vous allez que vous faites de la construction, eh bien, vous montez votre
votre minerai et vous montez en même temps vos points de talent qui vont vous déverrouiller des optimisations un petit peu de personnage. Voilà. Confirmé. Ah, j'avais pas confirmé là. Voilà, là j'ai confirmé. Ok. Donc moi j'ai mis un petit peu dans le terraforming parce que je voudrais voir un petit peu ce que ça, comment ça marche le terraforming. Donc après on sait qu'il y a des organisations. Des organisations. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas d'organisation française. Voilà, ça c'est pour rejoindre des teams. Hein. Là on sait les astuces. Donc n'oubliez pas de vous servir des astuces parce que tout ce qu'a dit la dame ben, dans le tuto. Tout est là. Voilà, on peut y revenir quand on veut. Talent, organisation. Ben, je fais un petit peu le tour de ce que m'a dit la gonzesse. Hein. Ça c'est votre avatar, ça c'est le marché, la fabrication. Alors elle me dit allez à un vaisseau marchand. Donc elle m'a donné. Merde. Elle m'a donné le point de direction vers le vaisseau marchand qui est. Qui est où? Qui est par ici. Hein, il est, je sais pas où. Attends, on va essayer de sortir de votre construction. Il est à 23, km. Pourquoi en fait? Parce que vous allez voir. Alors, j'espère que j'ai assez d'essence. Est-ce que j'ai de l'essence? On va voir que j'en fabrique aussi de l'essence. Alors nous, ben là, voilà. On a notre base qui commence à se faire. Hein. Donc j'ai mis des pieds. De façon à. Voilà, à ne pas avoir de l'herbe qui traverse le plancher. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Allez, go, on est parti. Et après, on... je me déconnecterai sur ça. Bon, lui, je me le prends par contre. Hop. Construction. On va compacter tout ça. Merci. Félicitations. Vous avez terminé le tutoriel d'initiation. Je vais maintenant vous laisser continuer par vous-même. Allez découvrir toutes les splendeurs que le monde a à offrir avec les stations de substitution, et apprenez-en davantage sur Dual Universe à l'aide du Codex et des Instituts. Suivez votre propre route vers la gloire, la reconstruction de la civilisation et la création de merveilles. Puissiez-vous prospérer Novéens, et vivre longtemps. Le monde vous appartient. C'est ça les vaisseaux. Bon, attends, rajoute ton truc déjà là.
Ils sont où les tarifs? Ah, c'est ça les prix. 639 000. Je n'ai pas assez. 333 000. Et j'avais dit que je crafterais pas une merde. 429 000. 325 000. 324 000. Bon, ça je veux pas. 180, c'est pas cher, on sait pourquoi. Éventuellement, celui que j'achèterai, moi, c'est celui-là. Mais même, moi, ça me plaît pas, ça. Moi, c'est trop petit, hein. Je veux un truc plus gros, moi. Alors, sur la map, ça ressemble à quoi, ça? Ok. Putain, j'avais pas vu, il y a un trou là. Il y a beaucoup de petites merdes, hein, dangers. Hein. Moi, je veux au moins un minimum un truc comme ça, quoi. Vas-y, je vais rentrer dedans. Voilà, moi je veux genre un truc, allez, un minimum truc comme ça, mais même ça c'est trop petit. On peut même pas sortir ça. Y a pas de gros vaisseaux, il y a que des petits vaisseaux en fait. Que de petites merdes. Hein. Ah, celui-là, il met un point de reste dedans. Merde, il est fermé maintenant, il était ouvert. Celui-là, ça va, il est sympa, celui-là, quand même. Moi, je vais aller là-bas, par contre. Je vais faire la connerie que j'ai fait. Et non, mais il y a vraiment des trucs. Celui-là, il est pas mal, il fait un peu cargo, celui-là. Rien quoi. Il n'y a pas vraiment des gros. C'est quoi ça?